Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Patrick pour l'épisode 11. Ouais, ça doit être 11. Ouais, c'est 11. Alors, vous avez voté pour de la déco, mais, je dis bien mais, j'attends une personne en particulier. Vous verrez ça dans l'épisode 12, parce que ce sera l'épisode 12 qu'on va se construire. Ça sera mon farmer chinois pour la construction. Le fait que vous savez que moi et la construction, ça fait 125 000. Donc, j'ai pas. En fait, je sais comment faire ça. En plus, vous avez vu, j'ai déjà bien avancé au niveau de. Pour vider tout le lac. Hein, vous voyez, oh, putain, j'ai encore mis 20 couches de plus dans la tronche. Waouh, easy. Bah, ça doit être 20 couches. On est à combien là? 202? On est au bord là. Ouais. 202, j'ai mis 12 couches. Ouais, en plus, j'avais le sable, je suis con. 12 couches que je viens d'idée. Alors, plus cela, ça en fait. Ouais, ça fait 20. Bon, bah, c'est bien. Ça, je vais le péter. Ça sert absolument à rien. Voilà. Donc, bah, au niveau de l'installation, je trouve ça sympa. Alors, le vert, je vais le modifier, bien sûr, parce que ça fait très moche sur certains packs, surtout le Faithful que Pierre utilise. Moi, c'est l'Atlas de justement du pack Swartex. Voilà, Swartex Fenver. Je l'ai modifié complètement. Je le remettrai en zip et je l'uploaderai pour ceux qui veulent. Il sera dans la description. Alors, ça a beaucoup avancé, hein, parce que j'ai fait pas mal de recherches. Vous avez vu un petit aperçu là. Toujours mes bugs avec l'hopper. Je sais pas pourquoi. Ici, bah, ça n'a pas trop changé. Là, j'ai une recette en cours, vous allez voir juste après. Ici, j'ai réussi enfin à faire fonctionner ce putain de golem avec tous les jars. Alors, effectivement, il faut avoir l'aspect de tous les aspects de TomCraft 4.2 pour qu'il fonctionne, ce petit con. Voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai encore des. La mort, je crois que j'en ai plus beaucoup. Ouais, mort, j'en ai que 20. Okay. Hop. On va le mettre 26. Ouais, alors voyez, hop, ça par exemple, ça fait fondre pour avoir les aspects. Donc j'ai deux morts et deux Dorum. Voilà, comme l'Oram il est full, bah lui il va le mettre quand même parce que c'est une void. Donc ça veut dire si vous en mettez plus d'aspects, bah ça partira dans l'oubli. Donc ça, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, il est programmé pour que dès qu'il y a un aspect dans cette colonne, ça part remplir toutes les jarres. La perdition, j'en ai plus beaucoup. Ah, perdition, j'en ai pas besoin, c'est parfait. Du coup, au niveau des recherches, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. J'ai dû passer 4 à 5 heures sur les recherches, hein, c'est vraiment quelque chose de chiant. Oh, il n'y a plus beaucoup lui. Lui encore moins. Ouais. Je vais devoir faire des remplissages un petit peu à la main. À la mano. Bah à la mano pour mettre les aspects, mais c'est tout. Enfin bref. Donc, bah voilà, il a fini, donc il bouge plus. Donc, alors, au niveau des recherches. Alors ici, j'ai fait toutes les baguettes. J'ai bien dit toutes les baguettes. Pour débloquer une baguette un petit peu spéciale. Non, pas ici. Ici, de toute façon, j'ai tout fait. En alchimie, j'ai tout fait. J'ai fait même cela, les armures du samouraï. J'appelle ça les armures de samouraï parce que ça ressemble tellement beau. Et puis avec le petit. Oh, what? Ah, d'accord, c'est la touche là. Ok. Avec. Le petit papier cul qui se trouve au dos. Voilà. Et de devant, ça donne une armure de samouraï. Yeah. Avec la baguette. Yeah, man. Avec le chapeau, c'est cool. Enfin bref. Est-ce que j'ai encore du void? Ouais, j'ai encore du void. Du coup, je me suis fait celle-ci. Donc avec ça, hein, ça me permet justement d'avoir une armure quand même. Parce qu'avec l'autre, j'avais quasiment rien. C'était prévu que je me fasse cela, sauf que bah, j'ai une autre armure qui est en cours.
Ah oui, et un avantage, c'est que je peux mettre hyper. C'est-à-dire que je mets du salice et une enclume. Si j'ai 12 levels, plus ce qu'il y a en dessous, je vais avoir du Reaper 2 sur l'objet. Mais il faut pas qu'il soit endommagé. Alors, celui-là, j'ai pu le mettre. Celui-là, j'ai pas pu. Celui-là non plus. Voilà. C'est surtout pour ça. Ça t'a un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Non, ça sert à rien que j'en vais en mettre parce que je vais l'utiliser. Du coup, je me suis fait une autre charge. Donc, ceci. Ça permet de recharger 4 fois plus vite. 25% plus vite. Donc ça me donne quand même pas mal. Ça me donne pas mal de possibilités à recharger vite en aspect. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau des golems, j'ai tout débloqué. Toutes les recherches, je les ai débloquées pour BX. Voilà, donc ça m'a permis justement de. Un golem aussi, ouais. De bah, tout débloquer. Voilà. Celle-là, j'ai plus rien. Celle-là, je vais vous montrer après. Il va falloir que j'aille chercher une petite. Ah, je vais même aller en bas, tiens. Hop. Ici, ceci direct. Voilà. Je vais chercher ceci. C'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec le golem. Si vous tentez de le refaire chez vous. Chez vous, dans votre jeu, quoi. Ouais, chez vous. Hey, salut mon petit golem. Tu viens, on va faire des potions. Oui, bien sûr. Du coup. Voilà. Hop, on redescend. Voilà. Voilà à quoi donne quand vous mettez votre golem pour regarder toutes les jarres. C'est quand même assez stylé, hein. C'est plein d'écritures bizarroïdes, mais. Mais c'est quand même beau, hein. Bon, voilà. En fait, c'est ça. Hop. Je vais le renvoyer dans le système. Alors, au niveau de la recherche aussi. J'ai débloqué, je crois, tous les focus, au moins d'en haut. Ouais, j'ai fait cela aussi, voilà. J'ai fait cette table d'enchant qui m'a pété à la gueule plusieurs fois, parce que c'est instabilité dangereuse. L'étape antérieure, c'est very height, hein. Donc c'est vraiment très haut. Très haut, il n'y a aucun problème. Dès que je passe en dangereuse, par contre, ça pète de partout. J'ai dû remettre deux fois celui-là, je crois, et celui-là quatre fois. Parce qu'il m'a pété à la gueule, ce con, c'était une horreur, ça a poulé partout. Mais bon, ça va. Au final, j'ai quand même reçu cette table d'enchant. Grâce à cette table d'enchant, ça m'a débloqué ce que l'on cherche, nous, en tant que magicien. Ça veut dire Camille. Le truc qui est cher. Il faut un diamant. Bon, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est ça qui est cher. La Nether Shard. Et, oh, Restart dans 5 minutes. Merde. Nether Star et End Shard. Voilà. Ceci, on les trouve seulement en butant des pigments dans l'Overworld, dans le Nether ou dans l'End. Il faut amener des pigments dans l'End pour les buter et avoir des shards. Donc c'est un truc très, 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 très coûteux. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai décroché ceci. Ça commence à faire cher, vraiment. Alors ça, c'est les étapes au-dessus qui me permettront d'avoir la baguette qui stocke 1000 vis. Là actuellement la baguette que j'ai c'est du 125 vis, donc c'est 125 aspects par type dans la baguette, plus 250 sur moi. Là la baguette que je veux faire elle va en stocker 1000, ce qui est énorme. Et en plus il y a un taux de réduction vraiment magnifique. Alors pour ça évidemment c'est cher, c'est 125 aspects de Inis, Terra, Aqua, Air, Ordo et Perdition. Voilà. Ce qui est très 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 cher. Bien sûr, pour faire la baguette, il vous faut des lingots. Voilà, ça en fait 100 chèques. Ça en fait 3 plus tomion. Bon, ça, c'est pas très cher. Mais c'est surtout pour ça, en fait. Ça commence à être cher. En plus, ça a un coût de réduction de 20%. Ce qui est énorme pour cette baguette. Bon, en même temps, vu le prix, ils peuvent mettre 20%. Hein, c'est pas très grave.
C'est franchement, c'est génial. Ah, quand vous la faites, vous avez 20% d'aspect donné. Ah, c'est sympa. Donc, c'est pas 20%. Moi, bah, je verrai de toute façon le pourcentage qu'elle me fait à la fin. Vous voyez, il m'en faut 4 plus les lingots au milieu. Donc, ça en fait déjà 7. Et de tonium autour. Avec ça, ça commence à faire cher. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Et quand vous en faites, ils en donnent 8. Donc, il y a une chance de les faire. Et ça, je les ferai. Ça, c'est sûr. Je vais le faire. Ça reste très cher, mais c'est pas très grave. Ensuite, pour faire la baguette, évidemment. Hein. Bon, j'ai le sac. J'ai encore des recherches à faire. Hein. J'ai même. Comment? Celeste's Gateway, c'est pour aller dans le monde de Bedrock. Voilà. Pour pas souffrir aussi quand il fait nuit, parce que quand il fait nuit, vous prenez cher dans votre gueule. Vous avez la Silverwood. Alors là, elle commence à être chère. Pas au niveau de ses affaires, de la faire, ça c'est aucun souci. C'est de faire ceci, quoi. Il en faut en plus. Il m'en faut 3, il m'en faut 2 là, plus une là, donc ça fait. Quand j'en fais, bon, ça en fait 3, donc ça fait 3, 4. Bon, plus le reste, bon, ça c'est pas très grave. 4, sachant que je vais faire ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. J'en ai 3 de plus. Et du coup, j'ai pas pu je pourrais pas le faire. Parce qu'il me faut une autre charde. Alors, c'est des shards. C'est une Nether Shard qu'il me faut. Et je n'ai absolument pas du tout en stock. Il va falloir que je le fasse. On va faire ceci. Donc, ceci me permet. Donc, vous voyez, hein, hop. J'ai encore tout ça à découvrir. Eldritch. Donc, le mode noir, on va dire ça. Ça me permet de récupérer des petits aspects. Je me suis fait la focus là. Donc, vous voyez, c'est complètement aléatoire. Hein, mais c'est le. Comment? Comment, quand vous attrapez un aspect, vous avez soit entre 0,5 fois plus, une fois et demie ou deux. Voilà. Deux fois plus d'aspect qui rentre chez vous. Donc c'est plutôt sympa. Me suis fait les Void Metal. Et je me suis fait cette staff. Alors c'est la staff la plus what the fuck parce qu'il faut tout ça comme corps. Donc c'est dans ceci. C'est de faire. Non, c'est pas dans celle-là. C'est un tome. Voilà. C'est de faire tous ces corps-là. Voilà. C'est pour ça que j'en ai chié. Mais ça en vaut quand même le coup parce qu'il fallait que je la fasse pour Camille après. Du coup, je me suis fait des voiles métal. Je me suis fait cette helmet-là. Voilà. Et je vais faire ceci. Voilà. Tout ça, c'est pour avoir une armor. Et en même temps, ça fait viscount de 5%. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Sachant que sur celle-là, je n'ai rien. J'ai juste les lunettes et j'ai un Reaper 2 dessus. Eh bah c'est en plus c'est serveur close, il a même pas à te signaler, c'est pas grave. Du coup, je vous retrouve juste après. Et on se retrouve, voilà, 4-5 minutes après, le temps qu'il fasse les backups et tout le tralala. Donc, alors, le temps que ça charge, hein, évidemment. J'adore ces notes-là, c'est dingue. Ça charge bien. Donc, on était. Je vais quand même vérifier le TPS, mais il est très correct. On était sur le point de fabriquer notre armure Void. Hop! Alors, normalement, j'ai tout. On va laisser faire le travail. De l'amour. Alors, ne jamais faire clic droit ici. Ça vous fait invoquer une explosion. Une explosion qui ne fait pas de dégâts au terrain, mais ça vous pollue tout le terrain. Je l'ai fait par misclic à un moment et j'en ai un petit peu voulu du fait que ça m'a fait mal. Ça m'a pollué toute une région en fait. Donc normalement il ne doit plus rien avoir. Il va rester la magie. Je ne sais plus l'allié Nice je crois et le Void. Voilà. Et ensuite il va bouffer les aspects qu'il y a autour. Et comme c'est une instabilité Berry Heights. J'ai pas de problème d'éclair. J'adore comment c'est fait ça.
Ouais, c'est toujours comme dans ce sens-là. Voilà. Celui-là va et celui-là. Et ça va me donner. Ah. Et bien sûr, je vais le scanner. Putain, il a beaucoup d'aspects ce truc. Alors, sa durabilité de 110, lui 440, mais on va aller l'enchanter. Alors, en espérant que j'obtienne une. En espérant que j'obtienne Reaper dessus, ça m'arrangerait. Après, si c'est les autres gens s'enchantent, j'irai les faire la main. Pour lui mettre du Protect Head, du Unbreak, du. Du Aqua Infinity s'il le faut, c'est par là-bas. Tout ce qui va avec. J'aimais bien le casque que j'ai actuellement. C'était très sympa. Mais je vais le garder pour mon armure fétiche. Hop, on prend du 30 level. Hop. Pouf, pouf. Unstable. Ok. Aqua Infinity. Et j'ai pas le Reaper. Bon, le Reaper, j'irai le mettre. C'est vrai qu'il reste ça. Il faudrait que j'aille réparer ma, ma Paxel parce qu'elle est super swag. Et puis vu ce qu'il y a dessus, j'ai. Ok, j'ai Blindness. Ah, je vais où maintenant? Ça doit être par là la montée. Ouais, c'est ça. Putain, rien du tout. C'est où la sortie? Ben, c'est par là, là, là. Ok, c'est par là. Putain, on n'y voit rien. Allô? Tu t'enlèves? Ah, ça va mieux. Alors. Brightness. Ça fait mal au cul, ça. Hop, je repère. J'en ai pour beaucoup de temps. Donc, c'est pas plus mal. Une enclume. Anvil. Je sais pas. Ah, il faut que je les fasse à la main. Ok. Ouais, je me suis un petit peu gouré dans la fabrication de l'enclume. Voilà. Ah, j'ai oublié de me reprendre des niveaux. Parce qu'il va me falloir des niveaux si je veux refaire du repair. Pourquoi du repair? Parce que j'en ai tout simplement besoin pour réparer. Donc vous voyez, il me faut 12 levels pour du Reaper 2 plus fabrication, ordo et magie. Et j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais il me faut tout ça. Donc je vais aller rechercher 30 levels. Parce que vous verrez pourquoi j'ai besoin de 30 levels. C'est où la fabrique? Elle est là. J'adore sauter. J'adore ces bottes. Prenons, prenons de la cade. Prenons de la cade. De la cade à la mule. Je vais aller au-dessus. 40. J'ai un petit peu vidé tout, mais ça va se remplir. Donc, j'irai me faire une farm comme ça, moi, chez moi. Parce que j'en ai marre de revenir tout le temps ici. Bon, même si ça permet de revoir tout le paysage. Hein. Puis ça a bien avancé. Et c'est pour lui foutre Reaper 2 au coco parce que j'ai pas envie de le perdre. Surtout qu'il est très cher à faire. Ça me ferait chier de le perdre. Alors. Une table de craft. Voilà. Deux Zenville. Voilà. Ensuite, il me faut pour cela. Ouais, ça je m'en doutais qu'il me fallait du salice. Ah bah c'est bien. J'en ai juste une. Il va falloir que je la fasse juste cuire. Voilà. C'est pas plus mal. Alors, la cuire, ça me permet justement de l'avoir en salice. Avant, il fallait la passer par l'étape en dessous de l'altar. Maintenant, plus besoin. Donc, c'est pas plus mal. Vous en mettez un là. Ok, j'ai du flux. Vous mettez une anvil. Vous mettez ce truc au milieu. Et je vais quand même aller vérifier en dessous
voir si j'ai tout. Donc, Fabrico 20, Ordo 20 et Brakencio 16. Salut. Magie, j'ai tout. On a dit Ordo, hein. Ordo 20. Ordo, j'en ai pas beaucoup. Et l'autre, c'était Fabrication. Fabrication, où es-tu? Fabrication. J'en ai 62. Alors ça va. C'est juste de l'ordo qui me manque. Alors, l'ordo, on l'obtient dans quoi? Ordo, 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 ordo. Oui, forcément, des shards. C'est vrai que je pense jamais aux shards, mais on en a tout le temps dedans. T'as de la bedrock aussi. Ouais. On va chercher la bedrock, toi. Putain, je te dis ça. Potentiel minis. Potentiel, j'en ai encore. Du coup, on va remonter là-haut. Hop. On va chercher des shards. What? Ouais, comme ça, ça fait du de la magie avec. Pouf! Alors, ne pas mettre ça là-dedans parce que ça sera un peu con de le cuire. Du coup, je vais voir où est-ce qu'elle en est, la cocotte. Elle est réparée ou presque. Hop, on va la réparer complètement. Hein, parce que elle est quand même sympa. Ordo, je vais voir si c'est prêt. 25, il m'en faut que 20. C'est parfait. Et en plus, il y en a encore 4 qui arrivent. Eh ben, c'est parti. Voilà. Là, c'est en train de me prendre mes... comment? Mes levels. Faut que je reste obligatoirement à côté pour que je puisse prendre mes levels. Voilà, il y a le Reaper 1. Okay. Ensuite, je remets l'enclume ici. Il faut que j'aille refaire une salisse. Et les tâches s'évanouissent. C'était nul. Voilà. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non! Pas grave. Du coup, j'ai ça, j'ai la balance, donc je vais la remettre là-dessus. Donc vous voyez, c'est très simple, en plus ça me permet de la recharger rapidement pour éviter que je remette tout le temps de l'eau. Je me suis mis une transfert node liquide en dessous, connecté à ça, et une fois que c'est rempli, pouf, c'est bon. Hop, je redescends, je la repose là. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut encore? 16, non. C'était des shards en plus. Je préfère quand même mettre le plus possible en fait. Ça m'évite les problèmes par la suite. Hop, bonjour. On a vu Fabrication, j'ai tout ce qu'il faut. On a dit Ordo, c'est en cours. Et on a dit Magie, c'est bon. Void. Non, Ordo, je veux dire. J'attends juste encore un petit Ordo. Voilà, 26, c'est parfait. Hop, merci. Merci. Ouais, bah, me pique pas tout non plus, hein. Ah, vous voyez, il en faut 23 de chacun. Hein. Ouais, c'est du hyper... Ah, j'ai compris comment faire, ok. Reaper 1, ça coûte à peine 10 ou 12, là. Et avec ça, ça me coûte plus. Ok. Mais bon, pour la même occasion, on s'en fout, ça fait du Reaper 2.
Patrick perd 2. Ouais, comme c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche? Putain. Je préfère quand même ça. Ouais, mais au moins... Là, c'est ce qu'il faut. Putain, ça craint. Ça craint dur. Mais c'est plutôt sympa. Hop, armure. Pouf. Ouais, c'est comme une classe. Hein. Bon, ici, j'ai pas les têtes du fait que c'était une... des lignes comme ça qui allaient là. Ça, c'était l'armure en obsidienne. Hein. C'est quand même sympa. Hein. Ouais, finalement, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, non. Mais... ça fait quand même 5% de vie sans moins. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ok, ça pète toujours. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va peut-être continuer, hein, parce qu'il me faut peut-être l'armure entière. Quand même. Donc, il y a juste ça. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok. Oh, bah, j'ai pas fini, moi. Ok, ok. Ah, ça fait 5%, 5%. Ok, d'accord, très bien. Ah, ok. Du coup, vu qu'il va être un petit peu l'heure, je vais tout préparer correctement. Je vous reprends pour le faire. Et ainsi pour celui-là également. Et puis après, on termine l'épisode là-dessus. Voilà, à tout de suite. Je reprends là en mode fufu parce que, vous voyez, j'ai 3 démons. Voilà. C'est ces gens-là, vous voyez, hein, c'est quand j'ai commencé à faire l'installation pour celle-là. J'ai eu un pop de 3 zombies démons qui me balancent de la foudre et... Ah putain, bande de cons. Eh ben non. Et vous savez quoi? C'est quoi ça? Eldritch Ice? Oh! Oh, ça a l'air des trucs. What the fuck, chelou. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref, je reviens juste après pour faire l'enchante complète. Bon, on se retrouve juste là. Alors, j'ai fait pas mal de petites choses. Et par la même occasion, on peut activer ça. Voilà. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. 16 de magie, c'est parfait. 16 là, 24 là. J'ai 24 de void. J'ai ça. Ah, c'est bon, j'ai tout. Je pensais que ça allait me faire un surplus, mais non. Ça va. Il va falloir que je refasse des chests pour après, mais je pense que j'ai encore d'autres choses à mettre. C'est, j'ai un petit peu fait un petit peu pour les deux crafts avec l'infusion. Sauf que bah j'ai, peut-être que je vais pas avoir assez en armure, donc voilà. En tout cas, les démons m'ont looté quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je crois que c'est un truc assez rare. Donc, Et battement. Le void qui arrive. Et ensuite, il va bouffer les ingrédients. Le void. Tomium. Le salis. Le truc fabrico et le laser. Wouah. Ça c'est cool. Bon, on fait le reste, hein. Donc le pantalon. Il me faut le pantalon ici. Il me faut le void là. Il me faut du coup le tomium ici. Ça va de pair.
Il me faut le salice ici. Il me faut le fabricot là. Et il me faut le laser là. Voilà. Normalement, j'ai tout. Je vais quand même vérifier en dessous. Hein. Je vérifie toujours. Void 20. J'ai pas assez. Il me faut des chests. Voilà. Donc vous voyez déjà que ça commence bien. Il me faut du chest. Du coup, comme j'ai beaucoup de boîtes de ce truc, silverwood du fait que j'ai pas mal coupé d'arbres là-haut, ça me fait du void. Hop, 16, ça suffit. 16 x 4, 64. Métallium 42, c'est bon. Papier, j'en ai 24, c'est suffisant. 24 ici, c'est suffisant. Armure 20, j'en ai 40, c'est cool. Et void, 130 se remplir. Il m'en faut 20. Donc j'attends qu'il remplisse celui-là. Non, le void, mon petit. 24, c'est parfait. Hop, on peut lancer. Voilà. Ah, j'ai gagné de l'XP. Comment je gagne de l'XP, je crois. Je ne sais rien. Laissons le travail se faire. Ça, j'aime bien, c'est l'aspect en dessous. La 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 le papier qui arrive, le papier qui arrive et qui monte et qui monte. Oh. Ouais, c'est bon. Oui, je m'éclate. Hein. Et j'aime bien parce qu'on le voit descendre après. C'est ça que j'aime bien, c'est l'animation. Ouais, j'adore, il tape au plafond pour remonter encore en haut. Normal. Lui il descend petit à petit. Lui il fait encore son travail pendant ce temps. Hop, le void. Et ensuite il va bouffer les aspects. C'est parfait. Non, en plus il n'en est plus. Hop. Il est en train de bouffer tout là-haut. Moi je suis en train de faire de l'alchimie en bas. Ah, et le laser. Et j'aurai fini les crafts. Pouf! Du coup, je vais enchanter tout ça. Donc, du coup, nous, on va se laisser là. Hein. Nous, on va faire de ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de ces quatre-là. Hein. Ça, du coup, je peux le laisser. Tiens, je vais quand même les scanner, les trucs-là. Putain, ça donne deux ces trucs-là. Ah ouais, ça donne quand même pas mal de choses. Je vais être quand même stylé, hein. Il faut dire ce qui est. Il me faut ça et ça. Et il me faut... je ne sais même plus ce qu'il faut pour réparer, en fait. Alchimie, hein, c'est... Ouais, c'est ça. 10, 10, 16. 10, 18. 26, 10, 10, 16. En ça, j'en ai 8. Donc ça va pas le faire. Moi, s'il m'en faut 8, il me faut 10 de hors d'eau. L'hors d'eau, je ne sais jamais où qu'il est. Hors d'eau. 13. Parfait. Mais je vais quand même les remplir. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Hein. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas, le petit pouce à la fin. Tout le tralala, les commentaires aussi. Hein. Et puis évitez de vous dire votre mère patati patata. Ça c'est chiant ça. Voilà. Et puis du coup, à la prochaine. C'était un épisode assez coupé, mais au moins ça vous montre quand même des crafts assez sympas. Voilà. Allez, sur ce, bye bye tout le monde.